Alors je vous fais un topo de la situation. On est bien à l'entrée de Jérusalem, au crosspoint de l'armée israélienne. Ils m'ont pas contrôlé, par contre c'était encore mieux, c'est carrément comme je leur ai raconté mon voyage, donc ils ont dit écoutez, vous venez avec nous, on vous donne un téléphone, vous appelez votre copain pour voir où est-ce qu'il habite et puis vous rejoindrez bah, quand vous saurez quoi. Yéon ne répondant pas, un des militaires, Eyal, m'a amené dans un bureau, pas un bureau, mais en fait dans une salle. Il m'a dit, bah écoutez, mettez-vous là, asseyez-vous, reposez-vous. On attendra, vous attendez ici bah, tant qu'il rappelle. Bon, donc Eyal, très gentil, bah, évidemment m'a accueilli. Mais, you fine? Yes, I'm fine, but I can't. Ok. On se dit à plus tard, quand évidemment Yéol aura enfin répondu. Et dans ce cas-là, on pourra enfin s'adonner à essayer de voir qu'est-ce qui se passe à Jérusalem. Voilà, salut! Alors, allô dans le souk, ça veut dire casse-toi. Pour ce moment, c'est fini en haut. Voilà.
Hello. Voilà. Jérusalem. Mon amour. Oh, mon amour. Côté. Côté. Ok. Yeah. Goodbye. Goodbye. Ciao, ciao. Ok, inutile d'expliquer. On est bel et bien au mur de lamentation. الشيء يعني أخدمه.
Jerusalem, il y a Charles d'Allemagne. Alors là, je suis. On suit des juifs pour sortir par la bonne porte. Parce qu'apparemment, si tu sors par la mauvaise porte, c'est le bordel. Comment tu trouves, on va dire, Israël depuis que tu y vis? Est-ce que c'est en sécurité? C'est bien sauvegardé? C'est pas du tout la même chose que le tourisme, ça? Non, pas du tout. Ah. Par rapport à ce qu'on voit à la télévision européenne. Ah, c'est des conneries. C'est des conneries? Ouais, complètement. Complètement? Complètement. Et Jérusalem? Jérusalem, c'est... Il y a des petites tensions de temps en temps, mais c'est tout? Écoutez, j'ai rien à te dire. Paris, c'est... Paris, à mon avis, genre niveau sécuritaire, il y a des quartiers qui sont beaucoup plus dangereux qu'à Jérusalem.
relativement à Jérusalem, on sait où est-ce qu'il faut pas aller, on sait les quartiers genre où c'est un peu chaud, on connaît, genre mais, si tu cherches pas la merde, et si tu vas pas là où il faut pas, et si tu dis ah c'est tranquille, et quand il faut pas aussi, pas de soucis. Ça fait combien de temps que vous avez fait votre guerre? Bah, ça fait un an. Un an, d'accord, vous avez quel âge? 18 ans. Oh, vous êtes rapide. Bientôt 19. Et donc du coup, en faisant votre alia, vous allez faire votre service militaire, je suppose? Ouais, tout à fait. Vous avez commencé, vous allez commencer? J'ai commencé les inscriptions et je commence en novembre. D'accord, pour 3 ans, vous pouvez l'étaler? Non, alors... C'est plus 3 ans? Il y a un programme. Alors c'est 3 ans quand on est israélien, mais il y a un programme pour les... La Légion étrangère en fait, israélienne, ouais. C'est un an et demi. Ah d'accord, donc il y a... Alors il y a l'armée de Sahel et il y a la Légion étrangère. Alors... Ça marche pas comme en France, genre ça... La Légion étrangère en France, c'est, on va dire, c'est une légion, enfin c'est un groupe entier dans l'armée où il y a que des étrangers. Ouais. Là, c'est plutôt, genre, ils intègrent les étrangers, genre, dans des groupes avec des Israéliens. D'accord. L'armée, en temps, un an et demi, genre, et... c'est un an et demi, un an et six mois. Et... On fait tout comme Israélien, sauf qu'on finit plus tôt, genre. Ouais, ok. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de la division de Jérusalem, tu savais, en quartier chrétien, en quartier musulman, en quartier juif, en quartier je sais plus quoi. Ça, c'est la vieille ville, ça. C'est la vieille ville, ouais, c'est Old City. Ah, c'est que la vieille ville. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il n'y a pas vraiment de division quand on vit ici, là, regardez. Oui, c'est une photo. Hein. Moi, c'est ce que j'ai vu. On la sent pas, la division. Hein. C'est, il y a un peu partout tout le monde, sauf pour les sauf pour sortir. Parce que j'ai vu que pour sortir, moi, c'est la première fois que je viens. Hein. Ouais. Pour sortir, on a une sortie pour les juifs, une sortie pour les musulmans. Une sortie, c'est-à-dire pour sortir, par exemple, de la. Après le mur des lamentations. Shahar Shrem là-bas? Ouais. Je vais très souvent par Shahar Shrem. Il faut pas y aller à certains moments parce que c'est vrai que c'est relativement insécuritaire. Mais à certains moments, pas tout le temps. Mais non, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont. Disons que c'est pas une division, genre. C'est une division au sens où la population est plus importante dans certains quartiers que dans d'autres. On va dire que dans la Rova Yehoudi, dans le quartier juif, il y a principalement des juifs. Même si bon, les chrétiens passent, les arméniens passent, aucun souci avec ça, genre les Shahar Hadash là-bas, tout le monde passe. Shahar Ariot et Shahar Shrem, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des quartiers musulmans, donc c'est un peu plus de danger. Quand on est chrétien, il n'y a aucun souci, quand on est juif, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Mais on peut passer aussi, genre c'est... Alors passons maintenant au reste de Jérusalem. Vous me disiez que le reste de Jérusalem n'a rien à voir avec Old City. Donc dans le reste de Jérusalem, il n'y a pas de division, tout le monde est mélangé. Tout le monde est mélangé, est-ce qu'on peut dire que c'est cosmopolite? Complètement, ouais. Hein, tout en étant, il me semble quand même assez, ça ressemble pas à Tel Aviv. Ah, ça ressemble pas du tout à Tel Aviv, c'est pas du tout pareil. Disons Tel Aviv, c'est une ville, on va dire, c'est une ville mondiale, dans le sens cosmopolite, dans le sens... disons qu'il y a un facteur qui a Jérusalem, mais qu'il n'y a pas à Tel Aviv, c'est la religion. Ça joue beaucoup à Jérusalem, mais même si c'est vrai qu'il y a des quartiers, on va dire, où la religion ne joue pas forcément un grand rôle, mais on va dire relativement Jérusalem, c'est la ville des religieux, donc la religion joue un grand rôle quand même. Et donc de là, c'est vrai qu'il y a des divisions, mais après... Alors que la ville, on peut dire que c'est plutôt culturel, avec du cosmopolitisme. Cosmopolitisme israélien, c'est... Est-ce que dans le pays d'Israël, okay, vous voyez des endroits, des villes où vraiment problématiques, il y a vraiment des problèmes où c'est pas très gérable. Moi je suis passé à Jéricho oui, le jour. Sécuritaire. J'ai trouvé que Jéricho était vraiment tellement bordélique. Alors Jéricho c'est. Bah, déjà dans la Bible hein, c'était bordélique, hein, donc ça n'a pas changé. C'est vrai. Donc non, Jéricho c'est. C'est problématique. Bon, après ça dépend, genre qu'est-ce que vous appelez Israël, ça dépend qu'est-ce que vous appelez. Ça dépend que ça s'appelle une ville israélienne. Tout dépend, genre. Bah, pour vous, c'est quoi une ville israélienne? Jéricho, c'est pas une ville israélienne. Genre, il y a deux choses. Tachlès, comme on dit concrètement dans les faits, Jéricho, c'est pas une ville israélienne. Y a pas d'israélien, Jéricho. On dit un israélien ou on dit un juif? Hmm? Vous pensez à un juif en parlant d'israélien ou pensez Alors c'est une question qui est très compliquée.
Et bon, personnellement, je vous réponds parce que moi je suis sioniste. Hein, donc, non, je vais vous répondre. À mon avis, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Entre Israël et Juif. Entre Israël et Juif, il y a strict. Entre Israël et être Juif, il n'y a aucune différence. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Hein, n'importe quel Juif peut demander à être israélien. Genre, c'est la loi du retour. C'est, on va dire que. Moi, dans le prisme dans lequel je le vois, c'est plutôt genre. On est un peuple. On était un peuple en Judée, les Judéens, il y a 2000 ans. On a été exilés, dans les nations. Et puis on s'est retrouvés pendant 2000 ans en exil. Et puis maintenant, genre, on a reconstruit le royaume d'Israël. Donc il n'y a aucune différence. Et être juif, c'est pas juste une religion. Être juif, c'est un peuple, c'est une culture, c'est un tout. Ça veut pas dire qu'on est forcément fermé à. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'en effet être juif c'est pas forcément un peuple, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas un peuple par le sang, mais c'est un peuple par la culture qui se pérennise à travers les générations. C'est un peu par la culture, par le sang aussi, c'est très important. C'est, par le sang. Par le sang, si. Par le sang, vraiment. Par le sang. Pour être juif, faut avoir une mère juive. Voilà, donc en fait ce que je veux dire, c'est par le sang, mais par le demi. Parce qu'il y a quand même, il peut y avoir une forme de métissage qui tolère quand même que le gars est un juif. Puisque c'est par le sang de la mère, ce qui veut dire que le père. Ouais. Comme on sait qu'on devenait juif par le sang de sa mère, puisqu'en fait à l'époque il n'y avait pas de test génétique. Donc le père on n'était pas sûr. Exact. Donc on tablait sur la mère quoi. Et en tablant sur que la mère, aujourd'hui on peut tabler sur la mère et le père puisqu'il y a des tests génétiques. Hein. Mais on attache à nos traditions. Donc. Voilà, c'est ça. Donc on peut considérer que des penseurs comme Guy Adasman ou Hervé Ryssen, quelque part en parlant de le judaïsme transmis par le culturel et la coutume, sont plus dans l'objectif que par le sang. Bah, sans dire que c'est pas par le sang. Disons que les deux sont indispensables à mon avis. Après, le sang est indispensable. Ça, c'est un fait qui. Si on a tenu 2000 ans en exil, c'est par le sang. C'est un truc qui est complètement indispensable. Le droit du sang. C'est. Et juif, celui qui a une mère juive. C'est un fait qui est incontournable. Après, être juif pratiquant, ça, c'est encore autre chose. Au niveau de la culture, ça, c'est encore autre chose. Il y a des juifs qui ne sont pas du tout pratiquants, qui n'ont pas la culture juive. Et qui pourtant sont quand même juifs d'après la loi, on va dire la loi juive. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit en Israël, par exemple, qu'il y en a beaucoup genre, qui sont juifs par la mer. Mais après, culturellement, on voit qu'il y a plusieurs. On va dire qu'il y a plusieurs. Il y a une diversité énorme au niveau culturel. Donc, c'est compliqué de définir une culture juive. En... J'ai bien fait un documentaire en Israël pour montrer Israël de l'intérieur par rapport à ce que les médias européens, occidentaux montrent, qui est complètement l'inverse, grosso modo. C'est compliqué, hein. Voilà. J'ai commencé à faire un voyage, à faire le tour d'Israël en vélo, en partant de Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod, Ashkelon, Cross Point Gaza, Bichiva, la tombe de Ben-Gurion, puis je suis remonté vers Jeshurkna, je me trouve à chaque fois. Vous êtes parti à Otef Aza en vélo? Oui, oui, attends, mais j'ai fait tout le tour en vélo pour l'instant. Dimonia, ensuite j'ai été jusqu'au sud du Salt of Sea of Salt, de l'océan de sel, ouais. Voilà, c'est ça. J'ai remonté la côte jusqu'à la mer Morte. Je suis tombé sur Lido, après je suis monté à Jéricho pour quand même aller voir Jéricho qui était. Tu dis Jéricho ? Non, on s'en fout. Voilà, donc moi je suis remonté là-haut. Puis j'étais à l'est pour jeter un petit coup d'œil quand même au site sur le baptême de Jésus, où on m'a donné ce très beau t-shirt du National Park. Donc, tout le monde est étonné de voir que, mais comment tu l'as eu ? Bah apparemment la demoiselle devait bien m'aimer. Bref, je suis redescendu un petit peu à Lido pour aller y dormir. Et hier j'avais prévu de venir à Jérusalem, mais avec 44 degrés qu'il y avait, j'ai dû me cacher dans un coin. Donc voilà, ce qui fait que vous verrez dans le documentaire justement que je me suis caché dans un mètre carré en créant de l'ombre effectivement pendant 7 heures. Non, entre les deux. Pendant 7 heures, je me suis bloqué dans un mètre carré à l'ombre. C'est dans le désert. Oui, dans le désert. C'est voilà. J'ai réussi à arriver ce matin. Ce matin, je suis arrivé un peu en nage et compagnie. Le cross point d'entrée de Jérusalem, donc c'est Tzahal, hein, qui m'ont accueilli chaleureusement. Ils m'ont donné à manger, à boire. Après, le Mossad qui était derrière la porte, on dit ouais, viens parler, faut qu'on parle de foot. J'ai dit ah, je regarde pas le foot, mais on va parler quand même. Enfin, j'ai rigolé quoi. Et puis, je suis venu ici maintenant m'occuper de Jérusalem. Dans chaque ville, je fais au moins une interview ou deux pour voir quelle est la situation de la ville, puis ce que la personne pense de la situation du pays. Est-ce que le pays est en sécurité? Est-ce que vraiment il y a du danger? S'il y a du danger, quelle serait cette forme de danger? Est-ce que ce serait un danger créé par de la religion et des positions communautaristes, ou un danger par rapport à du multi-ethnicisme?
Bref, j'essaye de choper le maximum d'informations. Vous avez été très, vous avez bien joué le jeu tout de suite. Plaisir. Je dois avouer. Hein. Bon, c'est peut-être le lien du droit de national, hein, de votre ancien héritage français. On s'est compris qui fait que. Quel est votre prénom? Noam. Noam, N-O-A-M. N-O-A-M. Hein, voilà. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Bah écoutez, faites votre avis. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Est-ce que vous avez d'autres villes qui sont encore dangereuses? Parce que j'ai toutes les visitées. Alors, écoutez, les villes. Qui pourraient être dangereuses, ça dépend de ce que vous cherchez. C'est, d'abord, ça dépend de dangereux pour qui. C'est un truc important. Est-ce que mes questions étaient dangereuses? Est-ce que vos questions sont dangereuses? Ouais. Non. 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 Bon, j'ai l'habitude. Qu'importe qui je rencontre, ça devrait se passer. Ouais. Non, c'est-à-dire que. Une ville dangereuse, ça n'existe pas en Israël. Enfin, d'après moi, hein, ça dépend de dangereuse pour qui déjà. Enfin, ouais. Dangereux comme ça n'existe pas. Naturellement, genre, ça dépend dangereux pour qui. C'est-à-dire que si on est juif et qu'on se prend un Ramallah avec la kippa et les tzitzit, c'est un peu problématique. Mm-hmm. Mais par contre, Jérusalem, c'est pas une ville dangereuse. Tel Aviv n'est pas une ville dangereuse. Les villes israéliennes, relativement, ne sont pas des villes dangereuses. Et les villes palestiniennes, les villes arabes, sont problématiques. Ça dépend pour qui. Donc lesquelles en fait? Ah bah toutes les villes qui sont tout après, après la barrière, c'est-à-dire qu'il y a toutes les villes de Cisjordanie, donc Yehuda et Shamron, Judée et Samarie. Dans le territoire israélien. Ah, dans le territoire israélien. On a Jéricho, bon voilà. Jéricho. On va dire dans le territoire israélien, qu'est-ce que vous définissez le territoire israélien, c'est encore compliqué aussi. Est-ce que pour vous Ramallah peut être un peu dangereux? Alors Ramallah, dangereux pour vous? Non. Vous venez faire un reportage, ça sera pas dangereux. Dangereux pour moi, oui. Complètement. D'accord. Si j'y vais comme ça, avec la kippa et titi Ramallah, j'ai des fortes. Bon, déjà, je pourrais pas rentrer à mon avis, mais. Ok. Voilà. Y a-t-il encore une autre ville sur la côte? Si vous cherchez une ville dangereuse, vous pouvez vous promener si vous voulez faire des images sensationnelles. Aujourd'hui, aux abords de Gaza, vous allez avoir quelques roquettes, à mon avis, par-ci par-là. Ça fait deux semaines qu'ils ont. J'ai entendu, j'ai dormi à côté. Ah bah voilà. Poc, poc, poc. Ça vous fera des images sympas. Bah j'ai pas les images parce qu'on peut pas forcément filmer. Enfin, j'ai pas pu en tout cas m'approcher. Je dis pas que j'aurais voulu non plus voir des gens sortir là-dessus. Hein. Mais on s'est compris. Ouais. Non, c'est évident. Mis à part ça, vous pouvez vous promener à Jérusalem-Est hein, si vous voulez. Ça vous fera des images, mais bon, c'est pas dangereux. Y a pas de danger. Vous allez voir, il y a des soldats, Charles Shrev, vous m'en parliez tout à l'heure, il y a des soldats, il y a la police, il y a des moments où c'est plus dangereux que d'autres. Moi j'ai fait l'erreur de venir vendredi de Ramadan, j'avais oublié que c'était Ramadan et que c'était vendredi. J'ai fait l'erreur de venir à Charles Shrev, j'ai rebroussé chemin. Mais faut pas. Au final le vivre ensemble il est vraiment là et puis il y a une vraie paix ici qu'on parle pas assez dans les médias européens, dans les médias occidentaux, on n'en parle pas suffisamment assez. Mais ici les gens vivent vraiment ensemble. Il y a des gens, enfin moi dans le bus je vois des musulmans avec des juifs côte à côte, il n'y a aucun souci, il n'y a jamais de problème. Il n'y a pas d'incivilité dans les transports. Et il y a un vrai vivre ensemble et c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des tensions, mais relativement. On oublie vite et voilà. Je vous remercie, je trouvais ça super sympa. Noam, je m'appelle Stanley Schnitzler. A bientôt sur YouTube. Avec plaisir.